Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo traitant de la trigonométrie. Et donc nous allons aborder différents phénomènes ondulatoires et pour découvrir toutes les utilisations de ces outils, nous essaierons de répondre à cette question: comment diminuer l'intensité consommée par un moteur? Alors, avant de commencer, je parlais de phénomènes ondulatoires. Donc, dans les phénomènes ondulatoires, vous avez évidemment le courant électrique, par exemple, qu'on pourrait représenter ici. Vous avez tous les phénomènes mécaniques, par exemple, comme une goutte d'eau à la surface d'un liquide. Vous avez ici comme des cordes vibrantes, c'est-à-dire ça, c'est comme les cordes d'une guitare hein, qui font du son. Alors, vous avez les différentes harmoniques qui vibrent. Donc à différentes fréquences. Ici j'aurais modélisé peut-être une explosion ou alors une fois de plus une goutte d'eau qui tombe dans un fluide, et ici vous avez une vague hein, qui pourrait être aussi une vague à la surface d'un liquide et qui est une propagation d'ondes en fait. On a aussi comme ondes les ondes électrostatiques comme la lumière par exemple ou les champs magnétiques. Et enfin, les ondes gravitationnelles. Alors ça, c'est quand même assez récent dans les découvertes de la physique. C'est assez passionnant. Et je vous encourage à aller voir ce qui a été découvert sur ces ondes gravitationnelles qui permettent de donner donc une masse donc aux particules ou aux objets. Voilà. Alors nous allons tout de suite nous intéresser à un exemple que je vous ai préparé. Donc ici, si on prend un petit montage, par exemple avec une bobine et un aimant, qu'on va faire tourner et on va récupérer la tension aux bornes de la bobine. Alors si dès que je fais tourner l'aimant, vous voyez ici on a une variation de tension dans la bobine. Et évidemment quand on atteint une vitesse suffisante, vous voyez apparaître donc bien une onde. Voilà, donc ici on voit bien apparaître une onde. Cette onde, elle est donc de forme sinusoïdale avec une amplitude maximum entre les deux crêtes et à une certaine fréquence ou pulsation. Donc on peut augmenter cette pulsation en faisant tourner de plus en plus vite l'aimant. Voilà, jusqu'à arriver à quelque chose d'assez grand. Voilà, on a augmenté à la fois l'amplitude et on a augmenté aussi la fréquence donc du signal. Alors, si on s'intéresse un petit peu à la tension qui est exprimée aux bornes de cette bobine, eh bien on peut la modéliser par cette fonction donc U de T, qui est égale à U max fois sinus de oméga T plus phi. En mathématiques, tous les phénomènes ondulatoires peuvent être modélisés par des fonctions du type A fois sinus oméga T plus phi. Hein, donc vous voyez bien le rapport entre les deux. Ici, A ou U max, c'est bien l'amplitude ou la valeur maximum de la grandeur, la valeur maximale. Donc A ici c'est bien le maximum, on a bien U max. Vous avez la pulsation en radians par seconde, donc ça c'est la vitesse angulaire à laquelle tourne notre aimant, et phi c'est-à-dire la phase à l'origine en radians. C'est-à-dire c'est l'angle du départ en radian. Alors on va avoir besoin d'utiliser le radian ici dans ce chapitre de trigonométrie. Je vais vous faire un petit rappel de ce qu'on avait vu les années précédentes. Alors pour cela on va utiliser un outil qui s'appelle le cercle trigonométrique. Alors si vous vous rappelez un petit peu de ce que c'est qu'un cercle trigonométrique, il s'agit d'un cercle, comme son nom l'indique, de rayon 1. Ici, voilà, j'ai réalisé un cercle de rayon 1. Et pour mesurer un angle, tout simplement, quand j'ai un point sur ce cercle, ici, eh bien, la mesure de l'angle, soit on pourrait l'avoir directement en degrés comme on a l'habitude, hein, avec les deux droites AC et BC, mais ici, un angle en radian correspond à une portion du cercle qu'on appelle un arc de cercle. Alors ici, voilà, donc ici, un arc de cercle, donc avec le centre et les deux points. Donc vous voyez ici mon arc de cercle. Alors je peux améliorer un petit peu ça. Donc vous
voici mon arc de cercle, donc ici en radio. Donc comme c'est un cercle qui a pour rayon 1, d'accord, eh bien vous connaissez la circonférence du cercle, hein, vous savez tout à fait que ça fait 2 fois pi fois le rayon. Ici, comme le rayon est de 1, eh bien le tour complet du cercle, ça fait bien 2 pi en longueur. D'accord. Donc la moitié du cercle, c'est-à-dire un angle de 180 degrés, hein, un angle plat, bah, ça ne fait plus que pi. Puis si on prendrait un angle de 90 degrés, eh bien on serait à pi sur 2 au niveau de cet arc. Alors on orientera aussi dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, hein, évidemment on se souviendra de ça. Alors avec ceci, on avait rempli un tableau dans lequel on avait quelques valeurs particulières. Donc quand je suis à 0, bah, je suis bien à 0 en degrés et en radians. Et puis quand on est à 360 degrés, comme on a vu tout à l'heure, eh bien on atteint les 2 pi. Quand je divise 2 pi par 2, c'est-à-dire que quand je divise les 360 degrés par 2, j'obtiens 180 degrés, l'angle plat, ça fait bien pi. La moitié de l'angle plat, c'est l'angle droit à 90 degrés qui font pi sur 2. La moitié de 90 degrés, ça fait 45 degrés, ça fait pi sur 4. Donc, on est sur un rapport de proportionnalité. Il est facile de passer de l'un à l'autre. Donc là, je vous les ai tous remis. Donc, vous pouvez vérifier hein, sur vos anciens cours de l'année dernière. Donc, on a ce tableau. Donc, on avait vu à partir de ce moment-là qu'il était possible, grâce au cercle trigonométrique, de connaître les sinus et les cosinus et les tangentes de certains angles particuliers que je vous ai mis ici dans ce tableau, car ces valeurs-là sont des valeurs connues un petit peu particulières. Donc on avait utilisé le cercle trigonométrique et on avait vu que sur l'axe ici des abscisses, donc on lisait directement la valeur du cosinus, donc de l'angle alpha, d'accord, et sur l'axe des ordonnées, on lisait directement le sinus de l'angle alpha. Donc je vous ai remis l'orientation des angles. Donc je vous ai mis quelques valeurs particulières, on peut vérifier hein, si, le sinus quand alpha vaut 0. Bah, quand alpha vaut 0, je suis ici, évidemment. Quand je suis ici, ben, j'ai aucune valeur sur l'axe des ordonnées, donc je suis bien à 0, donc c'est pour ça que le sinus de 0, ça fait bien 0. Et puis le cosinus, par contre, quand je suis à 0, je suis ici, donc il fait 1, il fait tout le rayon du cercle. Donc voilà, avec toutes les valeurs particulières, je vous les laisse et je vous les donnerai en photocopie. Ici on peut aussi utiliser la calculatrice hein, parce que sur notre calculatrice on peut utiliser soit des degrés soit des radians. Ici quand on va chercher dans le mode de la calculatrice, et bien vous voyez la calculatrice c'est soit en degrés soit en radians. Donc par exemple si je la mets en degrés et que je lui dis bah tiens ça fait combien pi en pour connaître un petit peu combien ferait pi, et ben il suffit de lui demander. Donc en fait je vais mettre tout simplement pi ici et je vais lui préciser avec angle ici en faisant seconde abs qui fait angle et je vais lui dire que je suis en radian. Donc pi radian, bah, combien ça fait en degrés, vu qu'elle est réglée en degrés, elle nous dit que ça fait 180 degrés. Donc vous pouvez passer aussi de l'un à l'autre comme ça sur la calculatrice. Je vais la remettre en mode radian parce que si on l'utilise pour des calculs tout à l'heure, bah, on utilisera des angles en radian comme je vous l'ai dit. Alors évidemment, ce cercle trigonométrique nous a permis de découvrir quelques particularités au niveau des angles. Ici, si je prends un angle que j'appelle alpha, mais que j'ai appelé ici x, hein, ça serait la même chose, hein, je vous ai mis alpha égale x. Hein. Donc si je prends un angle alpha, son cosinus ici, on le lit en rouge, vous voyez. Bien, si je prends l'angle moins alpha, hein, parce que je vous rappelle que c'est orienté plus dans le sens de la flèche, donc si on prend moins alpha, bah, le cosinus, vous voyez bien, c'est strictement le même cosinus. C'est pour ça qu'on a cette propriété que cosinus moins x égale cosinus x, c'est-à-dire sur ma figure, cosinus de moins alpha, bah, c'est pareil que cosinus alpha, c'est la même chose, c'est égal. On a aussi la propriété pour sinus de moins x égale moins sinus x. Si vous vérifiez le sinus de moins alpha, ici qui est représenté en bleu ici, c'est bien moins la valeur du sinus de alpha que vous avez en bleu au-dessus. Hein. Voilà comment on a réussi à déterminer ces formules. Si on s'en rappelle plus, on peut à l'aide d'un petit schéma sur une feuille de brouillon bah, retrouver ces propriétés du cosinus et du sinus à l'aide donc de notre cercle trigonométrique. Il en va de même pour les angles
supplémentaire, c'est-à-dire que si je prends un angle et que je fais donc pi 180 degrés, hein, moins cet angle, donc pi moins alpha, et ben vous voyez que le cosinus de pi moins alpha, c'est la barre ici en rouge qu'on a ici, donc une barre négative, ben vous voyez que c'est strictement égal à celle-ci au signe près. Donc c'est l'opposé, et je l'ai bien stipulé ici, cosinus de pi moins x, c'est égal à moins cosinus de x. Pour le sinus, si on fait pi moins alpha, le sinus, il se retrouve ici, d'accord ? Eh bien, c'est exactement le même sinus que pour l'angle alpha. Donc, du coup, c'est pour ça que sinus de pi moins x égale à sinus de x, ce qui équivaut pour alpha. On a les angles dont la différence de mesure est pi, c'est-à-dire que quand on fait un angle plus pi, c'est-à-dire si je prends ici l'angle alpha et que je rajoute pi, c'est-à-dire l'angle plat, hein, c'est-à-dire 180 degrés alpha, j'atterris ici, donc à pi plus alpha, et du coup on a les fameuses propriétés que vous pourrez vérifier vous-même, cosinus pi plus x qui est égal à moins cosinus x, et sinus pi plus x qui est égal à moins sinus x. Voilà, je vous demanderai juste d'admettre aussi les dernières qu'on verra pour cette série, avec le sinus de A plus B, donc le sinus de l'addition de deux angles, et bien c'est égal à sinus A cosinus B plus cosinus A sinus B, et la formule du cosinus A plus B, et bien c'est égal à cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Donc on utilisera un peu plus tard ces formules dans un cas concret. Alors on pourrait aussi, je vous ai montré qu'on a modélisé la tension aux bornes de la bobine, mais on pourrait aussi modéliser donc une intensité. Voilà par exemple une façon de pouvoir modéliser donc l'intensité ici. Alors ici on a modélisé donc l'intensité avec toujours I de t, donc l'intensité en fonction du temps qui est égal à I max fois sinus de oméga t plus phi. Donc oméga t, on est ici sur la pulsation, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le signal est périodique, hein, finalement. Et nous avons notre fameux déphasage phi, donc plus phi qu'on appelle phase à l'origine en radio. Alors on va s'intéresser un petit peu à ces histoires de phase, puisque vous les avez déjà repérées, vous les avez déjà même utilisées, je pense, en électricité, lorsque vous avez abordé ce courant qu'on appelle le triphasé. Possède donc trois phases qui sont elles-mêmes donc déphasées les unes par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'on a une première phase de référence, d'accord, ici que j'ai appelé 1 tout simplement. Donc on voit bien qu'elle n'a pas de déphasage au départ, et quand t égale 0, elle commence bien à 0, d'accord. Et ensuite vous avez les autres phases qui sont décalées, une de moins 2 pi sur 3 et l'autre de moins 4 pi sur 3, d'accord. Et c'est pour ça que les courbes ici sont toutes décalées les unes par rapport aux autres. Alors évidemment toujours la pulsation qui est égale à donc 2 pi fois la fréquence du courant, hein. Donc on note V pour une tension simple et U pour une tension composée. On reviendra un petit peu dessus un peu plus tard, mais on va essayer de comprendre comment on a obtenu cette fameuse tension composée, par exemple entre deux phases ici, de 400 volts. Ça paraît étonnant, j'ai 230 volts d'un côté, j'ai 230 volts de l'autre, et puis là on a 400 volts entre les deux. Alors comment on a trouvé ce résultat ? Eh bien grâce à un outil qu'on utilise en mathématiques, et que je vais vous présenter tout de suite, qui s'appelle la représentation de Fresnel. Donc en fait, tous les phénomènes donc ondulatoires, avec les équations qu'on a vues donc précédemment, avec le fameux x égale xm cosinus oméga t plus phi, là je vous l'ai encore écrit autrement, et bien tous ces phénomènes ondulatoires pourraient correspondre à un vecteur om qui serait en train, vous voyez ici, de tourner en fait dans le cercle trigonométrique avec donc la pulsation oméga et avec un déphasage au départ donc de phi. Donc là on se rend déjà un petit peu plus compte de ce qu'est cette représentation de Fresnel, c'est-à-dire c'est tout simplement un vecteur OM avec un certain angle par rapport à l'origine des phases, on va dire. Donc voilà ce qu'est la représentation de Fresnel. Nous allons l'utiliser
pour notre fameux cas donc du triphasé. Ici, la référence des phases sera donc le courant que j'avais nommé 1. Donc ici, voici ma référence. Et on avait dit que la phase 2 était décalée de moins 2 pi sur 3. Bah, effectivement, donc le sens positif, je vous rappelle que c'est le sens anti-horaire. Hein, donc ici, on est dans l'autre sens, donc c'est bien négatif. Moins 2 pi sur 3, hein, c'est-à-dire à peu près 120 degrés. Donc vous avez moins 2 pi sur 3 pour obtenir celui-ci. Et pour obtenir la troisième phase, bah, vous avez moins 4 pi sur 3. Voilà, en diagramme de Fresnel, comment représenter donc ces tensions sur ces trois phases. Une fois qu'on a représenté grâce au vecteur donc ces trois phases, eh bien la tension composée par exemple entre par exemple si on fait U3 1, c'est-à-dire la tension composée entre 1 et 3, eh bien il ne suffira plus que de mesurer la longueur de ce vecteur et on connaîtra la valeur donc maximum de la tension. Hein, je vous rappelle que pour le tracé tout à l'heure, hein, on a bien utilisé la tension maximum ici, la tension maximum là et la tension maximum là qui correspondent aux normes des vecteurs, à la longueur, et on a utilisé donc la face pour les mettre les uns par rapport aux autres. Voilà comment on utilise un diagramme de Fresnel qu'on utilisera un tout petit peu plus tard.